Mesdames et messieurs, bienvenue au Mont Ventoux. Nous allons assister à une confrontation entre 5 vainqueurs historiques de l'étape du Mont Ventoux. Eddy Merckx, qui a gagné cette étape en 1970. Cannibal, non ? L'imbattible. Jean-François Bernard, qui l'a gagné en 1987. Bernard, il aime bien être seul, tout le temps seul. Marco Pantani en 2000. Da grande campione che era, era abituato a questi esploits, ciò non c'è da stupirsi. Richard Virenc en 2002. Donc voilà, j'avais fait, un numéro. Et Juan Manuel Garate en 2009. Pour notre course, Merckx, Bernard, Pantani, Virenc et Garate vont donc ensemble s'élancer du pied du Mont Ventoux. Et le premier qui franchira le sommet sera déclaré roi du Mont Ventoux. Le cyclisme d'adesso, le palais d'adesso, sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus compliqués. C'est un gros, gros business. Il y a beaucoup d'hypocrisie derrière parce que tout le monde savait comment marchait le cyclisme. Les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est voir le tour et ils veulent de l'action. Adesso comincia la salita vera, è una bella lotta. Un petit pronostic pour la victoire finale? È difficile. A ver, Pantani, Virenque, Bernard. Ah, le premier, je mettrais. Quelque part, je mettrais quand même Merckx. Nos spécialistes ne sont donc pas d'accord. Mais tant mieux, Patrick. Voilà qui promet, en tout cas, une course disputée.